C'est ma vie, tu sais que c'est ma vie. Les frères ont pris du ferme, le quartier devient vide. Tout va vite. Eh bien salut à tous les potos, c'est Quaze. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Malheureusement, comme vous avez pu voir il y a pas longtemps, on vous a fait un prank comme quoi que ma mère elle a fait une crise cardiaque. Et malheureusement elle a fait un vrai malaise là par contre, donc je voulais expliquer. Et là qu'est-ce qui se passe, hier on était en live avec Barlow, j'étais en live avec Barlow. On vous avait demandé un petit truc et tout, pour ceux qui étaient dans le live vous savez de quoi on parle. En gros on était en live tranquille, je faisais des défis, moi je mangeais des piments et tout et tout. Et d'un coup Barlow il se sentait mal. Il disait ouais je me sens lourd machin et tout. Je disais tu sais quoi bah va dormir, tu sais quoi je finis le live tu vois. Et puis il me dit non t'inquiète vas-y je reste encore un peu. Et d'un coup je sais pas il sent mal et tout, et d'un coup il est bizarre machin, il est bizarre. Et d'un coup il fait des yeux blancs, il tombe sur son bureau, il reste pendant 10-15 minutes sur son bureau comme ça tu vois. Comme ça. Pendant 10-15 minutes comme ça. Donc moi je l'appelle et tout. Et à ce moment là j'ai appelé ma mère. J'ai dit vas-y appelle la mère à Barlow. Parce que à un moment elle avait son numéro mais elle l'a plus du coup. Et je dis appelle la mère. Elle m'a dit bon j'ai plus le numéro. Après j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont raccroché au nez. Donc vous allez voir de toute façon je vais vous mettre une petite vidéo que vous allez voir dans quelques minutes. Donc voilà donc on attend. Et d'un coup Barlow il est tombé de sa DX Racer. Pouah. Il a cassé sa DX Racer je crois même. Et même son micro je sais plus bref mais vous allez voir de toute façon. Du coup il est tombé, il s'est éclaté. Et il s'est fait mal au bras aussi quand il est tombé. Donc son bras il s'est bloqué, il pouvait plus bouger et tout. Pendant 20 minutes, 30 minutes il est resté par terre. Ensuite dès qu'il s'est relevé il était bizarre. Il se rappelait plus de ce qu'il avait ce qu'il a eu en fait. Il se rappelait plus. Du coup on a dû lui dire remontrer la rediffusion et tout. Donc hier c'était vraiment un live de malade. Désolé en tout cas enfin pour ceux qui étaient dans le live qui auraient voulu voir des défis et tout, mais bon on peut pas prévoir ça donc désolé à les potos et tout et les potottes. Donc voilà les potos, bon bref je vous laisse regarder la vidéo, j'allais voir, il y a tout dans la rediffusion parle d'elle-même. Bon visionnage à vous et puis à la prochaine, ciao. Je suis pas bien frère. T'as quoi? T'as mangé un piment? Non même pas. Mais t'as mal où? T'as mal quelque part? J'ai le cœur qui bat très vite, frère. C'est pas normal. Bah. Mais t'as fait quoi? T'as bu quelque chose? T'as fait quoi? Rien. Je crois que c'est la lumière de la softbox qui me tape trop sur le crâne, gros. Mais c'est pas ça qui va te faire speeder le cœur. Trois piments mus en lac. La vie de merde, si on est plus de 500 dans mon lac. Eh, je te je mange tout le pot. Ah, pas le pot. Je rigole, pas t'es un fou, toi. Genre, je suis chaud, gros. Je vais reprendre un peu plus de. Ma langue elle est griffée. Et elle saigne ma langue à l'intérieur, ça m'a fait un trou. J'avais un trou ici. J'avais mangé à l'époque, j'avais quoi 200 abonnés. J'avais mangé un piment, ça m'a fait tout saigner. Je vous montrerai la vidéo. Piment, ça me fait saigner la langue à chaque fois que je mange un piment. Enfin, un piment fort. Non mais va par l'eau, va t'inquiète, je m'occupe de mes abonnés, t'inquiète. On va rigoler, on va manger des piments et tout, t'inquiète. Vas-y, va mec. Prends, c'est sourd mes oreilles là. Parce que c'est le piment qui fait ça. Va mec, hein. Je te. Va mec, va. Allô. Allô. Va mec, hein. Vas-y, va. Hop. Ouais, je me rends, je suis con, moi. Genre, vous dégueulez, gros. Bah, vas-y, mec, va aux toilettes, va dégueuler, fais ta vie, hein. Malade, va. Attends, je vais faire un dernier stab. Juste pour faire la pub. Qui sera même pour les gens. Bon, les potos, je suis en live. Rejoignez-nous. Je mange des piments en live avec Barlow. Donc, je compte sur vous pour nous rejoindre. On est pas mal. Venez tous, les potos. Il fait quoi, Barlow? Il fait quoi, il vomit? Barlow? Barlow? Il a quoi ce gogol là? Barlow? Barlow? Elle est, j'ai pas vu les gars, il a fait quoi? J'étais en train de faire un snap, il a fait quoi les potos? D'autres piments. Attends, mais j'ai. Attends, il a quoi Barlow? Parce que. Le gars, je vois quoi, il.
Il s'est endormi? 1000 legs. Il s'est endormi, Barlow, ou quoi? Mec! Marlow! Allô, allô! Marlow! Alors, réveille-toi là! C'est un prank ou quoi? Il respire fort là. Allô? Ça se trouve. Ah, parle mec, j'étais sérieux ou quoi? Eh, c'est un prank par contre, je rigole pas mec. Hein. Enfin, non, franchement, je pense pas qu'il ferait un prank en live, surtout en live, parce que ça peut être censuré et tout, tu vois, si c'est des trucs bizarres. On sait pas. Mais je veux dire. Appelle les pompiers. Tu veux que je fasse comment? Appelle les pompiers, mec. Attends. Parce que je sais ça, si ça se trouve, il nous prank, j'en sais rien. Mais je pense pas. Parce qu'il ferait pas ça en live, je pense. Appelle le SAMU. J'arrive alors. Attends, il fait. Attends, juste, je vais voir qu'est-ce qu'il fait. Attends, j'ai appelé ma mère. Hein. Maman, va voir. Viens, je te montre. Je sais pas, il a fait un. Viens, fais gaffe, t'es sympa. Hein. Viens. Regarde, j'enlève ça. Il respire fort. T'as le numéro de ta mère? Toujours, on t'avait donné. Je l'ai pas, moi. Attends. Il respire fort. T'entends? Faut que tu rigoles. Faut que tu rigoles. Je crois qu'il me prend. Toi. Je crois. Hein. Parce que d'un coup, il a fait un truc bizarre. Appelle ta mère. J'ai pas son numéro, moi. Mais si, on te l'avait donné l'autre jour. Une crise de quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Je crois qu'il nous prend, hein. T'entends? Je sais pas, il va tomber de la chaise, je crois. Il est pas sur la chaise. Si, il est assis sur la chaise là. Tu veux qu'il tienne comment? Il est Hulk. Où il est sur la chaise? Là, il est sur sa chaise. Il fait pas sur ton dos, il est en mode. Comme ça. On dirait il avait les yeux blancs. Ça fait. Qu'est-ce qu'il. Allô, Barlow? Barlow, Barlow? Barlow! Barlow! Ah, tu prends, mec? Il nous prank, mec! Hein? Il nous prank, je crois! Parce que, mec, il s'est éclaté de la chaise! Allô? Je sais pas, je rigole, mais je sais même pas s'il nous prank! J'en sais rien, moi! J'en sais rien! Ouais, rebond! Non, c'est vraiment bizarre là, par contre! Non, ferme la porte, parce que c'est pas normal là! Mais c'est pas normal, moi je te dis! Hein. Retournez en avant, ses yeux sont tout blancs! C'est un prank, tu te rappelles, tu la trolls! Non, mais il ferait pas ça en live! Il ferait passer en live, ça que je comprends pas. Il est albinos. Non, il est pas albinos. Non, mais faites quelque chose. Attends, je vais appeler. Mais j'ai pas de machin, moi. Attends. J'ai pas de. Est-ce que si j'utilise le téléphone de ma mère. Oh, on m'entend quand je parle. Est-ce que si j'utilise le téléphone de ma mère en appelant, ça va niquer la 4G parce que je suis connecté sur sa connexion. Les potos, faites quelque chose, s'il vous plaît. Parce que je crois que je peux pas utiliser le téléphone vu que j'en appelle. En partage de connexion, si j'appelle, ça va couper la connexion, il n'y aura plus de live. Barlow, tu m'entends? Barlow?